Eh bien bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau point météo en ce mardi 27 août 2024. On se retrouve pour faire un point sur la situation qui est attendue pour cette semaine et le week-end prochain. On va parler évidemment de la chaleur qui revient et des orages possibles quand même pour la fin de semaine, le week-end et peut-être aussi la semaine prochaine. Donc on va commencer tout de suite par les centres d'action. On voit qu'on a un anticyclone très important qui commence à remonter progressivement sur le pays. Alors pas partout, hein. Il y a quand même des régions qui seront un peu plus à l'écart de cet anticyclone, notamment du côté de la Bretagne, la Normandie et les Hauts-de-France, hein, donc vraiment la partie ouest, encore une fois, qui serait un peu plus à l'écart donc de cette remontée de chaleur et donc de cet anticyclone. Donc ce qu'on va avoir, c'est qu'on va avoir des températures bien hausses, hein, qui vont bien augmenter donc pour cette semaine, avec voilà un conflit, hein, qui pourrait s'organiser avec une petite un petit affaiblissement des pressions, notamment du côté des régions du nord, donc depuis on va dire la façade atlantique en remontant vers donc les régions du nord, hein, donc le nord et une partie du nord-est. Voilà, donc on devrait avoir quelques orages qui devraient remonter donc, en cours de journée normalement, de jeudi et pourquoi pas vendredi également. Donc des orages qui devraient s'enraiser à la suite donc de cette forte enfin en tout cas de cette chaleur, hein, même des fortes chaleurs attendues, hein, voilà, donc on pourrait avoir des orages pour le moment modérés à forts, mais il faudra voir quand même, hein, il pourrait être pourquoi pas localement violent, mais bon, ça reste assez loin quand même. J'en reparlerai de toute façon dans un nouveau point météo. Là, c'est vraiment pour faire un point sur toute la semaine. Mais donc voilà, on pourrait avoir quelques orages attendus donc pour cette journée de jeudi et vendredi plus particulièrement. Donc en tout cas, pour la suite, normalement, on devrait avoir le retour d'un temps anticyclonique et un moins chaud par contre que pour cette journée par exemple de mercredi. Voilà. Mais voilà, le retour quand même d'un anticyclone qui devrait revenir donc à la suite donc de cet affaiblissement de pression. Donc pour la journée de vendredi. Samedi, pareil, hein, retour encore, enfin en tout cas, l'anticyclone s'étale sur un peu plus de régions. Ensuite, pour samedi, nouvelle dégradation possible. Alors, faudra voir hein, quand même, je vous préviens tout de suite. Par exemple, sur GFS, ça arrive dès le samedi, mais sur d'autres modèles, ça pourrait arriver un peu plus tard, comme dimanche, lundi ou mardi. Voilà. Donc, ça change énormément, hein, faudra voir les modèles. En tout cas, sur le modèle GFS, ça arrive donc dès la journée de samedi. Il faudra voir lequel est gagnant dans les scénarios. Mais voilà, en tout cas, on peut avoir une nouvelle dégradation qui arriverait à la suite donc de la chaleur et de la remontée de l'anticyclone. Une goutte froide hein, qui arriverait donc par l'Atlantique. C'est ce qui semble se faire sur une bonne partie des modèles. Une goutte froide qui arriverait donc depuis l'Atlantique et qui arriverait sur la Bretagne, puis progressivement qui rentrerait dans les terres. Alors voilà, très progressivement, vraiment. Faudra voir, soit ça serait plus lent, soit ça serait rapide à arriver. Tout dépendra vraiment de la goutte froide, hein, de comment elle va se comporter. Si elle arrive plutôt rapidement ou si elle décide d'arriver plutôt voilà, vers le dimanche ou vers la semaine prochaine. Donc faudra voir. Faudra vraiment voir. En tout cas, on pourra avoir une nouvelle dégradation qui arriverait avec le retour d'un temps agité. Donc soit le week-end prochain, soit la semaine prochaine, vous aurez compris. Donc ça sera en début de semaine prochaine évidemment. Donc pour la suite, voilà, je vous en parle pas parce que c'est très incertain, mais on pourra avoir le retour des conditions plus agitées avec des goûts froids qui circuleraient sur certaines régions. Hein. Faudra voir lesquelles. Ça reste encore un peu plus complexe, mais ça serait surtout la moitié ouest cette fois-ci. Hein. Contrairement aux précédentes semaines où on avait surtout la moitié est qui était concernée. Là, ce serait surtout l'ouest cette fois-ci. Donc ça serait bien finalement, ça changerait un petit peu des habitudes, et tant mieux, parce que franchement, niveau activité orageuse du côté de l'ouest, c'est vraiment pas terrible hein, pour cette année de 24. Donc voilà, il est temps que ça change, et tant mieux. Voilà, en tout cas, on va faire le point sur les températures désormais. Hein, voilà, on va faire le point sur la chaleur, donc la chaleur qui va se mettre en place dès la journée de mardi, donc dès cette journée de mardi, on verra. En tout cas, on voit que les températures sont en hausse, notamment du côté du sud, hein, du sud-ouest plus particulièrement, jusqu'à 34 degrés quand même hein, pour ces journées de mardi. 34 également du côté donc de la Méditerranée. Donc les températures qui sont en hausse. Pour la journée de mercredi, ça continue évidemment sur la même région, sauf que cette fois-ci,
la région centrale et également les régions en général sont plus sous la chaleur, avec l'anticyclone qui est le plus important pour cette journée de mercredi. Et donc par conséquent, voilà, 32 degrés à 14h du côté région centre. On pourrait même dépasser les 34 vers 17h donc, du côté région centre. Donc les températures sont bien en hausse. Paris qui pourrait être également sur les 30 à 31, voire 32 degrés du côté de la capitale. Voilà, donc les températures qui sont en hausse également du côté des Hauts-de-France, de la Normandie, de la Bretagne et de l'ouest, de l'Est également. Donc voilà, les températures qui augmentent sur une bonne partie du pays. Alors pour cette journée de jeudi, comme je vous ai dit, on a un petit affaiblissement des pressions. Et donc on a l'arrivée de voilà d'un temps un peu plus frais. Et donc par conséquent, pour cette journée de jeudi, on aurait voilà des températures qui auraient un peu plus de mal à monter du côté des régions de l'ouest, mais par contre à l'est, ça continue de chauffer avec des pointes jusqu'à 32 degrés du côté donc vraiment de l'extrême est. Mais ça, en Maïfine, ça pourrait peut-être donner par exemple jusqu'à 33 voire 34 degrés localement. Donc voilà, en tout cas, au niveau des orages, voilà ce que ça donne. Hein. Donc on pourrait avoir des orages qui entreraient sur le pays dès mercredi soir hein, du côté essentiellement donc du sud-ouest, des orages costauds, pourquoi pas, voilà, forts, voire pourquoi pas violents, qui entreraient avec pas mal de cape, hein, pas mal d'instabilité quand même. Donc ça pourrait quand même bien péter sur ces régions-là. Voilà, en tout cas pour la cape sur GFS, c'est pas forcément top, mais sur d'autres modèles comme notamment sur WRF, on voit qu'on a un peu plus de cape qui arriverait. Alors voilà, tout dépendra aussi de la chronométrie. Voilà, de quand ça arriverait finalement, mais voilà, ça doit arriver entre voilà, la journée de jeudi, vendredi, en remontant du côté du nord. Voilà, normalement, ça devrait être comme ça. Franchement, faudra voir, mais on pourra avoir des orages hein, qui arriveraient normalement pour la journée de jeudi, vendredi. Ça s'intensifierait avec voilà l'affaiblissement de ces pressions. Ensuite, jusque samedi, là c'est la goutte froide hein, qui va prendre le relais selon GFS. Hein. Alors, je précise selon GFS, goutte froide, mais sur d'autres c'est plus dimanche. Bon, lui il voit, voilà, il voit entre dimanche, entre samedi et dimanche pour la goutte froide. Bon, ça reste plutôt dans les mêmes jours, hein, mais moi je penche plutôt vers la journée de dimanche quand même. Voilà, donc ça c'est ce qui semble se faire sur les modèles. Donc ça serait plus pour dimanche normalement. En tout cas, ça arriverait dès la journée de samedi, par exemple du côté de l'ouest. Voilà. Ce qui devrait se faire. Donc pour la suite, bah normalement retour de conditions plus agitées avec des nouveaux orages hein, possibles la semaine prochaine, possible dégradation, mais ça c'est encore un peu loin pour en reparler de toute façon. Donc on en reparlera de toute façon dans un prochain point météo. Déjà pour en faire un point sur les orages attendus entre la journée de jeudi et vendredi. Et premier peut-être mardi, enfin comme mercredi, pas mardi, hein, parce qu'il n'y en a pas mardi, bien qu'on peut peut-être en avoir quelques mardis, mais voilà, ça resterait plutôt, par exemple, du côté des massifs et du côté de la Corse, mais sur d'autres régions, ce serait plutôt mercredi, jeudi et vendredi, et ensuite on pourrait en avoir encore pour journée de samedi, peut-être du côté des régions de l'Ouest, et puis précisément pour le dimanche, du côté des régions centre et du nord. Voilà. En tout cas, ça semble être la chronométrie donc de ces orages. Voilà, bah écoutez, merci d'avoir suivi ce point. Et on se retrouve donc bientôt pour parler donc de ces orages et de la chaleur. Et je vous souhaite une bonne journée à tous. Et à bientôt, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. A bientôt!